Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 2 mars 2021, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix de l'Allée des Philosophes, première course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Le prix de l'Allée des Philosophes est un handicap tout ce qu'il y a de plus classique, avec une allocation totale de 50 000 euros. Sur le tracé des 1300 mètres de la piste en sable fibré de Chantilly, nous avons le sentiment qu'il pourrait y avoir de belles surprises à l'arrivée. Les chevaux se tenant de très près en valeur pure, il faudra avoir un peu de chance pour espérer toucher. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Dark American. Il s'entend parfaitement bien avec Christophe Soumillon, son crack jockey belge, et peut logiquement se sortir de son poids de 62,5 kg aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 13, Funny Valentine. Elle a un changement de vitesse sortant de l'ordinaire pour cette catégorie. Si tout se passe bien, elle ne va pas taper loin dans cette compétition. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Magic Vati. Il a une véritable aptitude aux pistes en sable fibré et sera à son affaire sur les 1300 mètres. Logiquement, il peut l'emporter aujourd'hui. En quatrième position viendra le numéro 3, Rimini. C'est un cheval de talent qui sera piloté par un excellent Pierre-Charles Boudot et mis au point par Christophe Ferland. Théoriquement, il peut logiquement conclure dans les 5 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Mouba Aleg. Plaisant vainqueur dernièrement sur l'hippodrome de Pau, ce cheval de classe semble en mesure de gagner ce quintet plus. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 5, Bayless Blues. Il a d'énormes qualités et sera présenté par une Anne-Sophie Crombez, comptant sur lui pour réaliser une magnifique année de 5 ans. En avant-dernier choix, le numéro 2, Bacoel Coffee. Il a gagné le quintet référence avec courage, mais devra aujourd'hui se présenter avec une valeur plus importante, lui laissant malheureusement moins de marge au poids. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Red Torch. Il effectue une rentrée ici pour sa première sortie de l'année 2021. Malgré tout, il est présenté par un Alex Pantal, se manquant très peu dans les quintets plus. En cas de non partant, le numéro 14, Paris Got, tournant autour du pot actuellement, introduirait alors notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche après-midi, Top Prono indique de nombreux trios tout au long des différentes réunions premium pour des rapports très intéressants. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.